La porte! Désolée. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. C'est la première fois que je le vois dans les archives. Mais enfin, il est quand même pas apparu tout seul. C'est peut-être un livre magique. Bon, passons à l'expertise. Incroyable. Ce livre trace l'histoire de la loterie romande depuis sa création. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais ça va, rends-le-moi. Il est à moi. Ah non, je l'ai vu en premier. Garde-le. Non, je t'en prie, prends-le. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui te prend? Mais... t'as vu ton look? Mon look? T'as vu le tien? Regarde, je le reconnais. C'est un présentoir à billets, très ancien. Pourquoi il est là? Je sais pas. Mais qu'est-ce que... C'est la convention de 1937. La fondation de la loterie romande. Regarde, l'article premier, il est incomplet. Quoi? Mais c'est impossible, on a des photos qui prouvent le contraire. Alors ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. On est retourné dans le passé. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une énigme. C'est à nous de remplir la convention. Voyons. Les cantons signataires de la présente convention autorisent l'exploitation sur leur territoire d'une loterie dite Loterie de la Suisse romande, dont le produit net est destiné à... Destiné à... Des œuvres de bienfaisance. Et d'utilité publique. Oui. Pour combattre la crise économique et soutenir l'utilité publique, les cantons de Vaud, Fribourg, Genève, Neuchâtel et du Valais fondent la loterie romande en 1937. Les 50 ans romands, pour une fois, se sont bien entendus. Le 22 décembre, une fête est organisée pour célébrer le tout premier tirage, réunissant 300 spectateurs ainsi que 160 000 auditeurs sur Radio Lausanne. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la loterie romande s'engage pour venir en aide aux familles des soldats. Mais ces bonnes actions ne suffisent pas à faire taire les détracteurs. En 1943, elle publie une lettre ouverte en affirmant plus que jamais les valeurs qui lui sont chères. L'engagement en faveur de l'utilité publique et du bien commun, le respect, ainsi qu'une recherche permanente de la satisfaction des joueurs et de la communauté. Oh la vache, je me suis endormie. J'ai fait un rêve bizarre. Toi aussi? J'ai rêvé qu'on était plongé dans le passé de la loterie. Et moi aussi. Et tout était parti de ce gros livre. Mais oui. Et... Petit café.